Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous parlerons du code couleur des résistances. Donc, la valeur des résistances, donc qui est en ohm, est donnée par un code couleur. Ce dernier est représenté par des anneaux donnant différentes informations sur le composant. Il existe des résistances à 4, à 5 et à 6 anneaux. Dans un premier temps, nous parlerons des résistances à 4 anneaux. Donc, on a une résistance qui est symbolisée par le rectangle gris. Et on voit 4 anneaux de couleurs différentes qui ont été ajoutés sur cette résistance. Les deux premiers anneaux sont les chiffres significatifs. Donc, à l'aide de cette légende, nous pouvons déterminer la valeur de la résistance. Donc, on a une bande mauve, donc ça vaut 7, une bande rouge qui vaut 2, donc on obtient 72. La troisième est un multiplicateur. A l'aide également d'une autre légende, on voit différentes multiplications qui sont possibles. Les deux premières, c'est la bande argent et la bande or, donc attention à ne pas mélanger avec la bande grise et la bande jaune. Dans ce cas-ci, on a une bande orange. Donc on sait qu'on doit faire notre 72 qu'on avait tout à l'heure fois 10 exposant 3. Donc on obtient la valeur en ohm. Donc ça nous donne 72 kilo-ohms. Enfin, le dernier anneau nous donne la tolérance. A l'aide, encore une fois, d'une légende différente, nous avons ici une tolérance de couleur or. Donc c'est une tolérance à 5% et nous savons que nous obtenons une résistance de 72 kilo-ohms à plus ou moins 5%. Donc c'est au niveau de la précision avec laquelle on mesure notre résistance. Pour ce qui est des résistances à 5 anneaux, donc dans ce cas-ci, les chiffres significatifs, ce sont les trois premiers anneaux. Donc, vu qu'on a un chiffre en plus, on obtient plus de précision. On a ensuite le multiplicateur et ensuite la tolérance. Donc, rien ne change à ce niveau-là. Alors, on reprend ici les différentes légendes. On sait qu'on a 72,5 kilo-ohms, plus ou moins 5%. Pourquoi? Je vais le montrer. Donc, on a notre bande mauve, donc c'est notre 7. Bande rouge, c'est notre 2, donc on a bien 72. Notre bande verte, donc c'est 5, donc on a 725. On a une bande orange, donc on sait qu'on doit faire x10 exposant 3. Et enfin, on a notre bande or, et on sait donc qu'on est à plus ou moins 5% de tolérance. Donc tout à l'heure, on avait 72 kilo-ohms, cette fois-ci 72,5 kilo-ohms, donc la résistance sera ici plus précise. Dans le cas de 6 anneaux, eh bien ça se comporte exactement de la même manière qu'un 5 anneaux, donc dans le sens où on a les trois premiers anneaux qui sont les chiffres significatifs. On a ici le multiplicateur et ici la tolérance. Alors on peut se demander quel est le dernier anneau juste ici. Eh bien c'est un coefficient de température en parties par million par degré. Donc on a encore une fois une autre légende qui permet de définir les parties par million par degré. Donc ici on aura 25.